Yo, salut tout le monde, c'est Caro et j'espère que vous allez bien et que vous profitez surtout de votre dernière semaine de vacances. Voilà, pour ceux qui vont rentrer, en fait je sais même pas c'est quand la rentrée, mais de ce que j'ai compris, voilà, c'est la dernière semaine. Pour certains, il y en a qui sont déjà rentrés enfin qui ont déjà fait leur rentrée, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez profité de votre été, même s'il était un peu particulier. Enfin bref, voilà, c'était un peu le bordel. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle construction sur les Sims 4. Voilà, c'est une petite construction qui m'a pas pris énormément de temps, mais honnêtement j'avais envie de construire une petite alors je sais pas si c'est une tiny house, mais j'avais envie de construire quelque chose de plus petit, de plus compact, parce que voilà, c'est assez compliqué pour moi de faire des grandes constructions, parce que comme je travaille à côté, faire le montage et tout ça, bah c'est assez compliqué. Petit voilà aparté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si jamais vous aimez ma chaîne, voilà, parce que ça me fait énormément plaisir. Merci aux tout nouveaux abonnés, ça me fait vraiment mais trop plaisir. Aussi je tiens à repréciser encore une nouvelle fois, mes vidéos en fait je pense que je le mettrai dans ma bannière, ça sera plus simple. Le mercredi ce sera une vidéo sur Animal Crossing et le samedi sur les Sims 4. Je pense faire aussi des jeux un peu à part de ces deux jeux là en fait, parce que bah voilà, j'aime bien découvrir des nouvelles choses et comme je suis pas mal de chaînes de gaming, bah forcément il y a des jeux qui me font de l'œil. Je sais pas si ça peut vous plaire, mais bon j'espère, au pire des cas, bon bah c'est pas grave. Enfin je suis surtout là pour faire des vidéos qui me plaisent avant tout, mais j'espère que voilà, vous me suivrez dans les délires. Normalement il y a une vidéo qui va sortir sur un jeu assez connu, mais voilà, j'avais peur de la faire parce que je me suis dit ouais on va dire que tu fais ça juste pour la popularité, alors que non, franchement, je kiffe le jeu, en fait. Mais bon, bref. D'ailleurs, en parlant de ça, on va revenir juste sur le point Star Wars. Oh là là, mais il m'a tellement donné mal à la tête. Alors, pas par rapport aux commentaires que moi, j'ai reçus. Honnêtement, merci, parce que les commentaires que j'ai reçus, quand vous n'étiez pas d'accord, bah, c'était dit d'une façon... comment dire? C'était pas vraiment une... comment on peut dire ça? C'était pas... dit de façon agressive, voilà. C'était dit de façon assez normale, je trouve. C'est pour ça que bah moi j'ai plutôt bien pris les commentaires, mais je m'y attendais en même temps. Hein. Je m'y attendais parce que bah je comprends la frustration de certains joueurs. Mais voilà, c'était assez soft, je trouve, dans mes commentaires, donc franchement, merci. Après, moi, c'est vrai que je suis apte à toute discussion, à tout débat, il n'y a pas de souci. Je suis assez ouverte. Comme je l'ai dit, moi, j'ai du mal à être déçue. Enfin, du moins pour les trailers. Moi, au moment où je serai déçue, ça sera quand j'aurai le jeu en main, en fait. Je peux pas dire... parce qu'il y a vraiment... en fait, c'est le bordel dans ma tête, mais il y a tellement eu de spéculations, de tweets, mais c'était mais abusé. Enfin, les gens, vous vous prenez... enfin, quand je dis les gens, vous prenez la tête pour un pack, je dis pas les gens qui disent « Ouais, mais j'aurais aimé ça, ça, ça. » Non, c'est en fait, je vous jure, si vous n'êtes pas sur Twitter, vous n'avez pas du tout suivi les affaires, mais il y a eu des trucs qui ont été dits, mais c'était disproportionné, en fait. Genre, il y en a, par exemple, des gens comme moi, moi, personnellement, j'ai jamais dit que je n'aimais pas, par exemple, le monde de Star Wars. J'ai dit que je n'y étais pas. Enfin, je me suis jamais accrochée à ce monde-là. Honnêtement, par contre, tu me mets Le Seigneur des Anneaux, ça, c'est un monde... alors là, je le connais par cœur. Star Wars, je le connais pas. Et je le connais pas, en fait, c'est parce que j'ai tout simplement pas vraiment accroché au graphisme. Enfin, tu vois, genre là, pendant le confinement, on a essayé de re-regarder les Star Wars, parce que ma mère, elle a rien suivi, donc elle voulait re-regarder. J'ai pas tenu, j'aimais pas du tout le graphisme et tout, mais l'histoire encore, ça passe, tu vois. Et en fait, je sais pas, mais il y a des gens qui disent que il y a que les gens qui aiment Star Wars qui pourront aimer ce pack, et je suis pas du tout d'accord avec ça, en fait. C'est pas parce que tu n'aimes pas Star Wars que tu ne peux pas aimer le pack. Il y en a qui n'ont pas du tout accroché, je sais pas, au jeu d'acteur, qui n'ont pas du tout aimé, je sais pas, le décor, ou comme moi, qui n'ont pas aimé le graphisme qu'il y avait dans le film, enfin les effets spéciaux plutôt. Mais je peux très bien aimer, en fait, jouer un Jedi, et ça se vérifie parce que, regardez, je n'aime pas Star Wars, comme je l'ai dit, dans le sens où je n'aime pas les effets spéciaux. L'univers en soi, ça passe, franchement j'aime bien. Mais par contre, ça ne m'a pas empêché de jouer avec mon petit frère à l'époque, hein, bien sûr, à Star Wars Battlefront. Je vous jure, on y passait des semaines là-dessus, tellement qu'on kiffait le jeu. Donc ça rejoint bien le fait qu'on peut ne pas forcément accrocher et aimer Star Wars, et pourtant aimer des jeux vidéo. Enfin, c'est ça aussi, c'est comme moi, je joue à Pokémon, mais j'aime pas les dessins animés.
Et c'est pour ça, ça m'a tellement saoulée, mais bon après, c'est ce qui arrive quand il y a un pack qui fait autant diviser. Maintenant, je comprends parfaitement votre frustration vis-à-vis de ce pack. Je l'ai aussi, hein, honnêtement. Moi, alors tout le monde attend le pack à la montagne, moi c'est pas du tout ça que j'attends. Moi j'attends plutôt, en fait, un monde méditerranéen, voilà, je sais pas si je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos. Moi j'attends vraiment le monde méditerranéen, ça me saoule de pas avoir une plage avec des petits bruits de criquets, la Provence quoi, moi je veux des champs de lavande. Mais voilà, je sais que ça va pas se faire parce que c'est vrai que les Sims c'est assez américanisé. Si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je sais que, voilà, je comprends votre frustration. C'est pas non plus du tout le pack que moi j'attendais. Mais encore une fois, je ne peux pas... moi je ne suis pas dans la team du « je dézingue EA parce que je n'aime pas Star Wars ». Et c'est pas ça, moi, ma vision des choses. Après, on a chacune sa vision, encore une fois, et je l'ai dit dans les commentaires. Ça dépend, si tu joues dans le réalisme, alors là je comprends parfaitement que tu sois déçu. Parce que comme j'ai dit dans ma réaction trailer... Ces objets-là, on va pas vraiment les utiliser dans la vie de tous les jours, et je suis bien d'accord. Maintenant, faut aussi voir que... je sais même pas déjà pourquoi ils ont sorti ce pack. Donc j'arrive pas, je peux pas les défendre non plus dans ce sens-là. Maintenant, la seule chose que moi je rejoins vraiment à 100%, mais là tout le monde, c'est que EA nous a balancé des questionnaires qui nous mettaient l'eau à la bouche, qui correspondaient exactement à nos attentes, à ce qu'on veut en fait. Par exemple, le système des liens familiaux qui sont plus serrés, on va dire plus forts en fait. Parce que c'est vrai que dans les Sims, ta mère, tu lui parles pas pendant 3 jours, on dirait ça y est, c'est une inconnue quoi. Alors que c'est pas ça la vraie vie. Mais... Il y a aussi le fait, alors là il y a les voitures. Les voitures, je suis assez divisée parce que moi j'en vois pas l'utilité, mais pour certains oui. D'ailleurs je crois qu'il y avait un des commentaires qui me disait qu'en fait elle aimait bien l'animation, et je peux comprendre, c'est vrai que dans les Sims 2, moi aussi j'aimais bien quand la voiture est rentrée dans son garage. Mais après, est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a plein de choses. C'est vrai que la faucheuse, rien que la faucheuse, j'avoue, j'étais grave ambiancée aussi dessus. Je sais pas s'ils vont le sortir au final, mais honnêtement, je pense pas. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font en fait avec nos réponses, parce qu'on leur transmet plein d'idées, et c'est vrai, et ils en font rien, on dirait, j'ai l'impression. Enfin, c'est qu'un sentiment et un ressenti, mais voilà, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le pack de trop pour la communauté, enfin du moins pour une grande partie de la communauté. Mais je reste sur ma décision que si vous aimez Star Wars, c'est très bien. Si vous aimez les Sims 4 dans Star Wars, c'est très bien aussi. Si vous aimez pas Star Wars, tant pis, j'ai envie de dire. Et si vous aimez pas le Sims 4 Star Wars, mais en aimant Star Wars, bon bah tant pis aussi. Après, il faut savoir que par exemple, moi j'aime pas du tout les vampires, bah ça ne m'a pas empêché, j'ai jamais flingué EA parce qu'ils ont encore sorti un pack sur les vampires. Et pareil pour Monde Magique. Alors Monde Magique par contre, eux, je les retiens EA parce que je pense que c'est ce qu'ils vont faire aussi avec Star Wars. Leur Glimmerbrook, là, leur map toute dégueulasse, j'avoue, c'était limite. Hein. Mais voilà, comme j'ai dit, franchement, moi, chacun ses ressentis, chacun ses avis. Je comprends les deux camps en fait. Exactement les deux camps. Mais ne nous faisons pas la guerre, c'est complètement débile en fait, parce que encore une fois, les gens qui n'aiment pas Star Wars critiquent les gens qui disent qu'ils aiment le pack, c'est complètement débile. Pour un pack, les gens, on va se marcher dessus. Mais non, en fait, c'est pas ça les Sims. Les Sims, c'est un univers qui nous permet de faire plein de choses. Oui, il y en a qui aiment le réalisme, oui, il y en a qui aiment la fantasy, la science-fiction. Et il faut convenir à tout, enfin, faut que ça convienne à tout le monde. Mais c'est vrai que allez, 80% de la communauté des Sims aime le réalisme, donc je comprends, voilà. Je comprends la frustration, mais vraiment, ça m'a donné mal à la tête la sortie de ce pack, et je comprends certains... je dis beaucoup le mot « comprendre » hein, quand même, hein, je comprends beaucoup de choses, on dirait. Mais je sais que, voilà, je rejoins certains youtubeurs qui n'ont pas fait de vidéo réaction trailer. Moi, je l'ai fait parce que je sais que j'ai pas une grosse communauté, donc je risque pas de me faire normalement marcher dessus par beaucoup de monde. Mais les plus gros youtubeurs, voilà, n'ont pas pris le risque de faire une réaction trailer, et c'est ça qui est trop dommage, parce que je trouve que... C'est limite, on dirait qu'ils se censurent parce que la communauté est tellement révoltée que bah t'as pas le droit de dire en fait que t'aimes le pack, parce que sinon bah on va dire ouais, les EA Challenger, je crois c'est ça, c'est des vendus, qu'en gros ils veulent pas perdre leur argent via ce système là, alors que je crois qu'ils sont même pas rémunérés. Et ils sont même pas obligés de dire, il me semble, qu'ils aiment ou pas, en fait c'est simplement un avantage d'obtenir les packs, les add-ons et les kits à l'avance.
Bah enfin bref, voilà, je suis assez déçue, mais bon, j'ai quand même hâte, moi, par contre, de faire mon let's play. Je m'en fiche un peu de ce que les gens peuvent dire, si, ouais, les gens... Parce qu'il y en a carrément qui disent que, quand même, les gens qui aiment ce pack, c'est simplement des vendus et pour la popularité. Bah, je suis pas du tout d'accord, en fait, et c'est bien triste de penser de cette façon-là. Mais bon, concernant, on va revenir quand même à notre petite maison, voilà, donc j'ai fait une maison assez colorée, dans les tons un peu chauds, c'est pour simplement un Sims, parce qu'il y a un lit en fait, parce qu'il y a qu'une place en fait, si on regarde bien. J'ai pas voulu vraiment la décorer de fond en comble, parce que voilà, j'aime bien aussi les maisons un peu vides, et je trouve que bah, celle-ci elle fait pas non plus surchargée, elle est assez agréable. Alors moi par contre j'ai un bug, c'est que pour les ordi, ça me fait ça depuis quelques temps, mes chaises en fait pour jouer à l'ordi, je peux pas cliquer directement sur l'ordi, faut que je m'assoie d'abord et ensuite après je pourrais jouer. Quelque chose que j'ai pas compris, enfin bref. Et du coup voilà, j'ai voulu faire une maison assez chaleureuse, assez simpliste, mais voilà, aussi, il fait bon à vivre, même si c'est dans Strangerville d'ailleurs, oh, quand j'ai fait les prises de vue, mais il y avait tous les sortes de mutants qui venaient à ma porte pour faire le truc de bienvenue là, oh ils m'ont saoulé. Mais voilà, j'ai comme par exemple là le jardin, vous voyez, j'ai juste mis une table, un barbecue, mais je trouve que c'est déjà pas mal, dans le sens où c'est quand même assez simple, mais c'est ce qu'il faut en fait. J'avais pas envie de faire un jardin trop chargé comme j'ai l'habitude de faire, et voilà, après j'ai vraiment pas d'autre chose à dire. Du coup bah vu avec le pack Star Wars qui est sorti, j'ai pas fait d'histoire, à vrai dire j'avais pas trop la tête à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que la construction aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi je vous dis à la prochaine, et sur ce, portez-vous bien.